Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ouverture de cette nouvelle chaîne box. Alors bon, bah, là je peux pas la montrer, mais il y en a une là. Ah, c'est vraiment l'intro rapide. Alors, j'avais dit que pour toutes les chaînes box qui sortiraient, parce que maintenant ça fait un an que les chaînes box existent, on allait se faire une sorte de nouveau concept un peu bizarre. Et bon, bah je trouve le premier concept qui n'est pas tellement original, puisque ça va être une ouverture en fait à l'aveugle. Tellement à l'aveugle que j'ai même pas ouvert le sachet encore. Du coup, je me suis muni d'un ciseau et c'est parti. Alors pourquoi j'y vais mollo mollo? Parce que il y a un autre truc dedans. Enfin je sens que c'est pas juste la boîte. Il y a un bidule. Il y a du papier bulle. Bon, à partir de là, maintenant on ne regarde plus. Seul vous puissiez voir. Bon, déjà on a sorti la box qui voilà. Pour le coup elle est légère vu que tout ce qui est lourd en fait. Ce qu'il y a là. C'est tellement lourd ce qu'il y a dans le sachet. Alors, on va voir tous ensemble. Enfin, vous allez voir avant moi, du coup, je vais dire tous ensemble, mais non. Bon, alors déjà, il y a de la bulle. Ok, j'ai regardé, mais je vois pas. Je vois que c'est un truc ultra pot. Je vois pas quoi. Bon, on va ouvrir. Eh oui, ça fait un an, du coup, le thème, ça doit être l'anniversaire, d'où le paquet cadeau, ce qui est chiant, qui fait que je peux même pas ouvrir à l'aveugle, du coup, parce que je vois que dalle. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi? Ah, c'est les pochettes pour les classeurs. Alors pour ça, faut un classeur. Bon. C'est ultra utile. Et vraiment, je conseille, moi j'ai la fâcheuse et la mauvaise tendance à acheter plutôt des classeurs. Enfin des classeurs. Pas les classeurs, les portfolios, voilà, c'est ça que je cherchais. Alors que ça, c'est vraiment utile pour les classeurs. J'aurais jamais trouvé. Dans ma tête aussi, ça doit être une sorte de Kuribo gonflable ou... c'est rien du tout. Deuxième produit. On dirait un livre. Il y a des livres Yu-Gi-Oh! Qui sont sortis, à part les mangas. Et si, ils ont sorti un guide. Un guide spécial. Le truc pour fêter les... Je sais plus, j'ai vu, mais il est plus grand que ça, je crois. C'est quoi? C'est un cahier de texte? Waouh, non mais waouh. Waouh, sérieusement. Sérieusement, c'est quoi ce produit? C'est un cahier Yu-Gi-Oh! Mais waouh. Putain de merde, j'ai envie de l'ouvrir. Franchement, vous savez quoi? C'est rare que j'ouvre un produit Shenbox en direct. Mais là, pour le coup, j'ai envie de l'ouvrir. C'est un produit, je suis stupéfait. On va garder le même s'il a été ouvert, mais de certaines façons, on va quand même garder l'emballage. Juste, je l'ouvrais, voilà. Oh mon dieu! Il y a un petit courrier à l'intérieur. Ah, ça aurait été marrant que ça c'est un cahier pour des notes, spécial Yu-Gi-Oh! Ah putain, avec à gauche, player 1, player 2. Vous pouvez avoir un carnet qui liste toutes vos games et toutes vos défaites et vos victoires. Franchement, waouh! J'ai même pas les mots! En vrai, c'est un produit, c'est. Je pensais pas tomber là-dessus, en fait. Je suis vraiment choqué. Mais agréablement choqué, hein, c'est. Oui, je le referme et je le garde parce que je pense que je vais garder sous scellé ce truc là. C'est la première fois que je vois ça. Je suis surpris de ouf. Bon bah déjà, on n'a pas encore ouvert la chaîne box, qu'on a déjà deux produits assez intéressants, ma foi, surtout le petit cahier quoi. Après les pages de classeur, j'ai pas de classeur, j'ai que des portfolios et j'ai prévu d'acheter un classeur, du coup j'aurais même pas besoin d'acheter des pages et ça c'est cool. Du coup là, box. Bah du coup forcément il est légère vu qu'il y a deux gros trucs qui sont dehors mais. Alors, parce que du coup, faut pas que je regarde. Donc, ça va pas être facile. Je vais me déchirer, ça me fait mal au cœur. Ah, ça doit être les boosters. On verra après pour les boosters. Je les mets même en dessous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je suis en train de tâter parce que je me dis, ça pourrait être une sorte de pins ou une gomme. Si elle a trouvé une gomme, mais non, mais. Un autre truc derrière, j'ai l'impression. Non, derrière, c'est là. Le petit carton. Mais du coup, devant, c'est quoi? C'est une gomme. Je sens pas le, vous savez, le cercle du porte-clé quand je touche. Allez, je pars sur une gomme. Ou pas. Oh! C'est le truc de la cactus, mais c'est pas de la gomme! C'est des petits trucs en bois? Non! Mais si, c'est trop classe!
Direct, j'ai cru que c'était le truc de Lola parce que j'ai vu le grand-père avec les Kuribos et j'avais grave kiffé. Ah putain, il y a la boutique derrière et... C'est un petit truc. Ah, mais c'est un truc qui se monte avec un petit présentoir. Sérieusement, j'ouvre jamais les produits Shinebox, mais là, j'ai pas le choix. En fait, là, j'ai pas le choix. On s'ouvre après, mais franchement. Ah. Merde, j'ai loupé. Ah, j'ai lâché. Là. Si, là. C'est quoi? Un autocollant. Un autocollant. Vivement les vacances, c'est à peine la rentrée. Eh oh. Alors ça doit être Nurglish. Ouais, c'est Nurglish. Ah là 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 là. Mais cette qualité, quoi. Cette qualité, c'est dingue. J'ai même pas cru que c'était un autocollant. Bon, je croyais pas non plus que c'était du polystyrène, parce que voilà, c'est une qualité du polystyrène quand même. Je sentais qu'il y avait un truc, mais... Putain... Elle est cool. Franchement, elle est grave cool. Putain, il m'en faut d'autres, des autocollants comme ça. Le problème, c'est que comme je vais les garder, que je vais pas les ouvrir. Là, ça va être exceptionnel pour Lola, parce que Lola, elle fait un petit truc, ça mérite d'aller en déco, quoi. Ah, d'aller en déco, ça mérite d'être mon coup. Bon, du coup, il n'y a rien. Et du coup, les boosters, c'est deux boosters en ancien gardien et l'aube de la majesté. Bah, écoutez, on s'ouvre les anciens gardiens en premier. C'est pas une extension dont j'étais fou, mais c'est une extension que... Bah, voilà. C'est ça ou pas ça. Les dinos, Dinoster Power, le puissant Draco Assassin. J'ai oublié qu'il y ait du Draco Assassin. Ursartic, ah oui, ça va être dingue, il y a du Ursartic. Serpent lumineux avec du Ogdo Adic. Attendez, hop, là, ça sera mieux avec la mise au point peut-être. Hein. Ursartic, Transaction, Solfacor, machin. Oh, une petite super. Mais c'est pas une ultra. Dommage. Mais c'est pas grave, c'est un petit Ogdo Adic. C'est assez cool. On va dire c'est plus pour l'Ursartic parce qu'en ce moment je m'éclate avec du Ursartic sur Edo Pro. Bon, mais l'Aube de la Majesté, allez, on va espérer dropper des trucs de fou. Ah, éclat poussière d'étoile. Alors je sais pas si je l'avais celle-ci. Carapace dragon et armure, Ziol, le trancheur cosmique, hirondelle lente. Du teint d'angle. Et du super en teint d'angle, super. Transaction sur marge, bébé bout dragon, duo de magie clé. Bon. Sur les boosters, c'est pas fameux, mais on s'en fout, nous on n'est pas là pour les boosters, on est là pour les goodies. Allez, on se monte le petit truc de Lola. Franchement, je suis désolé Lola, je vais ouvrir ton produit parce que il est dingue. Ah mais attendez, il y a même la petite notice à l'arrière, mais c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Mais c'est marrant parce que quelque part, enfin pour moi, je voyais le thème comme la rentrée. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a les pages du classeur qui font penser du coup au classeur qu'on a à la rentrée. Du sang. Ouais, bon, on s'en fout, on va les rentrer. Là, je vais le garder, je vais le remettre après, mais c'est pas grave. On a un petit truc, cactus tatoué. Alors voilà, allez-y. Cactus tatoué. Réfléchissez même pas sur Instagram. C'est que des produits de qualité. Et du coup. Hop! Hop, et voilà, regardez, on a le petit, avec des petits Kuribos quoi, non mais c'est génial, franchement c'est génial, c'est simple, efficace, pas cher, c'est pas la maf, c'est Lola, cactus, honnêtement. Lola, cactus, Nerdy, je vous régale, franchement, vous faites vraiment des trucs de fou. Bon, résumé de cette chaîne box, bah écoutez, pour une fois on a fait une ouverture à l'aveugle, c'est intéressant. Pff, on essaiera à chaque fois, comme j'ai dit, à hein, chaque chaîne box, on essaie de trouver un nouveau concept, d'éviter de se répéter dans les concepts, donc ça va vraiment être compliqué, mais j'ai quand même quelques idées, donc voilà, je voulais enfin pour commencer à l'aveugle, parce que c'est le truc que tout le monde fait, des ouvertures à l'aveugle, ce genre de truc. Mais bref, cette chaîne box, je pense que j'ai le même visage actuellement et intérieurement que Papy Yugi. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez sages, et à très bientôt pour une prochaine vidéo, et au mois prochain pour la chaîne box du mois d'octobre. Et on aura du coup un nouveau concept pour l'ouverture. Mais en tout cas, celle de septembre commence bien. Franchement, elle commence bien.